chaîne. Mais c'est toi la chaîne, wesh. Ah, c'est le moment où tu dis aujourd'hui c'est l'Astro Channel. T'as oublié? Non, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs et tout pendant les vacances. Oh, c'est le Astro Challenge. Si, ouais, je me rappelle, wesh. Oh, hello, c'est moi. Oh, allez. Tout d'abord, les gars, bonne rentrée à tous. Cher. Déjà, comme je disais, bonne rentrée à tous ceux qui retournent à l'école. Ça fait plaisir de vous revoir. Comme vous le voyez, c'est la rentrée des classes. Il n'y a que moi et Maud qui avons répondu à l'appel. Oui, les autres sont encore en bled. Ils sont encore en vacances. Et pour cette rentrée des classes, comme d'habitude, on vous propose le fameux Trafi versus Moss. Bien évidemment, je rappelle qu'il y a pour l'instant 2-0 pour Trafi. Si je me trompe pas, Moss il avait gagné le premier et j'ai gagné le deuxième. Donc c'est une espèce de belle. Et après, on refera peut-être une belle l'année prochaine. On va pas perdre plus de temps, les gars. Comme vous le voyez, on est sur Internet Street aujourd'hui. Il y a JMK, il est là. Nouvelle vidéo, nouveau défi, nouveau challenge. Et c'est parti, hein. Yo les gars, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve comme d'habitude avec notre cher ami Trafalgar face à son redoutable adversaire monsieur Mossoissi. Merci à GMK, le gardien le plus technique de France, de nous avoir rejoint sur cet épisode. Je vous rappelle qu'il y a une égalité totale suite aux deux précédents épisodes. Trois défis sur cette vidéo, le premier 1v1, le deuxième défi le défi freestyle, et comme troisième et dernier défi, question pour un S3, je vous laisse deviner les règles. C'est parti. Nos appuis sont prêts. C'est pas ça le truc. On peut aller à gauche ou pas à droite. Là, en fait, ce que je cherchais à te faire, c'est à te mettre la pression, à prendre une décision rapidement, tu vois. C'est quoi? C'est la mode. Là, en fait, regardez. Il a clairement essayé de mettre une baguette. Je demande là-bas. D'accord. Vous avez vu là-bas. Maintenant, moi, je veux juste que vous me dites en commentaire s'il y a faute ou pas. Dites-moi juste, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. En Angleterre, ça siffle pas. Franchement, moi j'avoue, c'est des gagnants. Il est parti de l'autre côté. Come on, man. Maintenant, fini. Faut que je tape sa pose. Bah tu l'as pas démérité. Bien joué. Fin de ce premier défi l'équipe. Vous en rendez pas compte, mais là ça fait à peu près une heure et demie qu'on joue. C'était serré de ouf, mais c'était chaud de ouf comme d'habitude. C'est ça le problème quand tu joues avec des gens, ça fait 50 ans que tu les connais. On passe au deuxième défi, je pense que là-dessus tu risques de redresser la pente. Ça qui commence. Pour ce deuxième challenge, c'est très simple. Chacun d'entre eux devra tirer un papier sur lequel est écrit le geste à réaliser. On me dit à l'oreille que pour des raisons techniques, Traf et Moss ont dû changer de terrain pour continuer dans les meilleures conditions et mettre à bien ce challenge. Comme vous avez pu vous en apercevoir, on a changé de terrain. C'est dû à des soucis de logistique, hein, le stade allait fermer et le premier défi a duré un peu trop longtemps. Mais encore une fois, ce fut un duel de grande taille. C'est à moi de commencer. Timo. Ça va, au calme. Voilà, c'est pas ce qu'il a parlé. Hey yeah. C'est quoi? T'es un TW. Oh, ça va. Je suis choqué. Oh, je suis choqué
Déjà ce qui vient d'être raté, ça rentre même pas dans la catégorie de basique ça normalement. Putain, mais ça veut dire, c'est un geste que j'aurais pu réussir avec cette paire. Il a eu chaud ça. Vous avez vu sa réaction, mec? Eh Matt, c'est pire que j'ai raté le théâtre, frère. Je cherche pas d'excuses, je suis nul hein. Mais voilà comment elle est nulle cette paire. Buc, buc. Un Matt. Ça va, mais c'est ses gestes, c'est putain là, ils sont sur ses gestes. Ça va. Ouais. Classique. Il m'a fait que tu sur le bec. Non, Raph, je te l'ai pas dit à toi. Oui, tu me l'as pas dit à moi. Si je rate ce geste. Si tu rates ce geste. La vidéo elle est finie. La vidéo elle est finie. Je rentre chez moi. C'est pas censé s'arrêter là. Ah non, mais ça s'arrête là. Il a eu une pression de ouf parce que je sais comment il le réussit d'habitude. Et là, je peux vous dire qu'il était à la limite de le rater. Bec. Elle a raté des jeux. Je suis pas un compétiteur. Ça tombe bien, comme ça on rentre du tout chez nous. Il n'avait pas des mêmes. Ouais, pareil, ouais. Il est en train de me faire mal à la main. Bon bah voilà, il a gagné deux défis. Bah vous avez compris les règles, hein. Troisième défi, bah, c'est juste... je sais pas pourquoi on le fait, je crois que c'est parce qu'on est obligé de le faire. C'est pour lui faire plaisir, et c'est pour que j'ai l'occasion de lui mettre un 3-0 dans la gueule. Vous êtes prêts ou pas? Le genre de foot avec le plus de followers sur les réseaux sociaux. Sur Instagram précisément. Trafalgar. Je vais dire. Oh, j'ai peur de. Non, mais là, là il a pas. Cristiano Ronaldo. Ok. Non, type, attends. Tu dis combien d'abonnés? Celui qui a le. Cristiano Ronaldo. Celui qui se rapproche le plus. Dans ce cas-là, je vais dire premièrement Cristiano Ronaldo avec 74 millions d'abonnés. Ok, Moss. Cristiano Ronaldo, plus de 100. 100, vas-y, c'est quoi 117. Mais je suis plus proche parce que je sais qu'il est plus de 100. Ok, bah moi je l'ai gagné. 181 millions d'abonnés. 181 ? Parce que 181 millions. 81, c'est plus proche de 74. Deuxième question, vous êtes prêts ou pas ? Ouais, ouais. L'album de rap français. Non, alors là. L'album de rap français le plus vendu de l'histoire. Traf. Avec les vents. Donc pour moi, c'est IAM. D'accord ? Le nom de l'album, c'est. Ouais, c'est oui. Ok, c'est pas IAM. D'accord, moi je pense que c'est Booba. Non. C'est Diams. Non. Quoi? IAM, c'est NTM. Non. C'est pas NTM. C'est pas NTM. C'est ni NTM ni IAM. MC Solar. J'allais dire MC Solar. Un jour là, ça stop. Ouais. Il l'a dit. Il l'a dit. Maintenant, bah on fait les ventes. Tu m'as dit combien? J'ai dit 500 000. Et Moss? 780. Moss, il est plus près. 3 220 000. Troisième question, vous êtes prêts? Le plus gros carton de l'histoire du cinéma. Traf. Non, il a eu raison. Titanic. Non, il a raison. C'était Titanic, mais Avenger est passé devant. Ouais, je crois que c'était même passé devant Black Panther aussi. Ouais. Ouais. Devant, ah, devant Avatar. On est devant Avatar. Devant Avatar. Avatar, parce que moi, je l'ai jamais vu. Au début, je pensais que c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Ok, ça fait 2-1. Quatrième question. Combien de buts Zidane a mis en 98? 2. Je vais le verre. Moss, large. Parle pas de moi. Écoute. Large. Ah, mais tu poses des questions sur son daron, ouais. Écoute. Quand tu me dis, mon daron, quand est-ce qu'il revient en France? Qui sait? Et quel acteur a eu un accident de voiture alors que lui-même apparaissait dans un film de voiture? Traf. Moi je l'ai, c'est long là. Attends. Moi je l'ai, c'est long. Traf. Attends. Moi je l'ai. Oh là. 5. Non. 4. 3. Ok. Il y avait un truc de mort. C'est un truc de ouf. Il a mis 6 heures. Il y avait un truc de mort de ouf, frère. Bah, du coup, ça fait quand même 3-2. 3-2. Bien joué. Il n'y avait pas un gage pour celui qui perdait ça. Eh, j'ai eu un truc de mort parce que j'allais dire. Kevin Hart. Ouais. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bonne rentrée à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On peut applaudir Moss qui n'a pas démérité. Cette phrase.
Voilà, j'ai démérité, frère. De loser, de ringard. Il n'a pas démérité. Ça veut dire qu'il a fait son mieux, mais désolé, il est nul. Yo yo yo. C'était la team S3, mon gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, c'est la fin. Bonne rentrée à tous pour ceux qui retournent à l'école. Que vous soyez à l'école, que vous soyez déscolarisés. Bah, bonne rentrée, hein, parce que c'est le mois de septembre et on fait tous quelque chose de notre vie au bout d'un moment. D'accord. Bonne rentrée à nous aussi. Bonne rentrée à toi. Bonne rentrée à trois. À trois, à deux. À un. Et d'ici là, la recette n'a toujours pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Mais surtout, abonne-toi. Je vais essayer un truc. Ouais, bah du coup, je pense qu'ils vont le faire.